Move. Je sais pas si t'as vu la mobilisation contre les violences faites aux femmes. Partout dans le monde, des manifestations ont été organisées pour dénoncer des chiffres alarmants. Depuis 2017, 87 000 femmes ont été tuées dans le monde. Et rien que cette année, en France, on compte pas moins de 120 féminicides à ce jour. Lundi 25 novembre, à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le gouvernement a annoncé des mesures. Donc là, vu les chiffres, j'imagine qu'il y a un plan d'urgence. Alors pour l'instant, on a de prévu un numéro téléphonique d'urgence et la tour Eiffel a été éteinte une nuit. Ah bah c'est pas beaucoup ça, c'est tout. Il a rien dit d'autre. Ah si, le Premier ministre a aussi cité Big Flo et Oli. Je sais pas si t'as vu, la SNCF veut aller en Espagne. Comme l'Europe ouvre le marché du transport ferroviaire à la concurrence, les compagnies nationales pourront proposer leurs services dans d'autres pays. Et la SNCF se lance sur le marché espagnol. Elle est candidate pour 5 allers-retours par jour entre Madrid et Barcelone, mais aussi Valence et l'Andalousie. Quand est-ce que ça commence à l'ouverture du marché des trains là? La date officielle c'est décembre 2020. Eh ben les Ouigo là, faut qu'ils partent maintenant, sinon ils seront pas à Barcelone avant 2021. Je sais pas si t'as vu, Asaproki veut refaire des concerts en Suède. L'été dernier, Asaproki a été détenu dans une prison suédoise suite à une bagarre à Stockholm. Kanye West et même Donald Trump se sont mobilisés pour qu'il sorte. Et aujourd'hui, le rappeur new-yorkais annonce qu'il aimerait dessiner les uniformes des prisonniers suédois et même retourner là où il était détenu pour faire un concert caritatif. Il pousse quand même très loin le concept du syndrome de Stockholm. Move Radio, Hip Hop Nation.